dynamisons un petit peu ensemble sur cette séquence vidéo, le muscle transverse. Donc on ne va pas se mettre à plat dos, on va travailler en position ventrale, plus précisément quadrupédique, de manière à venir sur chaque expiration, rentrer le ventre, sachant que celui-ci, dans la position où nous allons être, va être attiré vers le sol. Puisque la position dans laquelle je vous propose de vous placer est celle-ci. Vous voyez que nous sommes dans une position quadrupédique ici. Donc forcément, avec la pesanteur, nous avons les organes et les viscères qui partent vers le bas. Et là, il va s'agir, en soufflant, d'essayer de rapprocher le nombril du bas de la colonne et d'arrondir toute la colonne. En soufflant, je dégonfle mon ventre. Sur trois mouvements ensemble. Allez, on souffle. De détente sur chaque expiration. Hop, on remonte tout doucement, on s'installe. On commence par le bas du dos, on retrouve une position comme celle que nous avions précédemment, mais là cette fois-ci pour le coup, on ne va pas s'occuper de travailler avec la colonne, puisque tout de suite la colonne va être verrouillée, arrondie. Je regarde ce qui se passe entre mes genoux et on s'occupe uniquement de ce travail d'expiration. Deux derniers. Et on relâche. Si vous n'avez qu'un seul travail de la sangle abdominale à fournir, c'est celui-ci. Oubliez tous les mouvements de crunch que vous faites communément dans les salles de sport, qui sont de petits mouvements d'amplitude et qui vont aller travailler sur la musculation superficielle pour aborder un travail qualitatif de musculation profonde abdominale et pelvienne permise par l'expiration et le rentrée de ventre.